Alors, je m'appelle Mario Mercier, je suis professeur au cégep de Sainte-Foy en soins infirmiers depuis déjà longtemps. En 2004, apparaissent dans mon bureau, je suis coordinateur des stages à ce moment-là, donc je m'occupe un peu de coordonner tous les stages que les étudiantes et étudiants ont à faire dans le programme, pour me dire, nous on aurait une idée de projet, puis on cherche un professeur qui voudrait nous accompagner là-dedans. Alors finalement, elles m'expliquent qu'elles sont six, elles voudraient faire un stage un peu de type d'aide humanitaire. Puis il y en a deux dans le groupe qui me disent, nous en secondaire 5, avec l'école François Bourin à Beauport, à la Polyvalente, on est allé dans un petit village au Nicaragua qui s'appelle Nandaimé, peut-être qu'on pourrait aller là. Alors c'est comme ça que le projet a démarré finalement. Nandaimé, puis oui, c'est en espagnol que ça se passe, oui, mais on va prendre des cours, puis on va s'ajuster. Alors, j'ai embarqué un peu là-dedans, sans trop savoir dans quoi je m'embarquais, mais c'est sûr que l'idée de la culture espagnole, la culture hispanophone, je devrais dire plutôt, m'intéressait beaucoup, la culture latine. Fait que de fil en aiguille, de contact en contact, les deux étudiantes m'ont dit, ben il y avait un groupe là, qui nous a supporté là-dedans quand on est allé en secondaire 5, ça s'appelle Spirale. Alors, j'entre en contact avec Spirale, et puis de fil en aiguille, ben quelques mois plus tard, on atterrissait à Nandaimé avec notre petit bagage. À ce moment-là, il y avait une grande partie d'improvisation dans le sens qu'on savait qu'on ferait des consultations médicales, on ne savait pas trop où, on ne savait pas trop comment ça fonctionnerait, mais le centre communautaire avait fait des contacts avec différentes communautés, puis ça s'est réalisé comme ça. Alors, on est arrivé ici avec tout notre bagage, on avait chacun deux valises de 50 livres, pleines de matériel, de médicaments, d'idées surtout. Et puis, on a inventé au fur et à mesure. Le projet a évolué aussi. On a changé quelques fois de médecin accompagnant ici, mais tout le temps l'équipe du centre communautaire nous a supportés, fait des démarches et je réalise à chaque fois à quel point pour eux c'est beaucoup de travail aussi. Juste par exemple pour des fois contacter une communauté éloignée, ben il faut s'y rendre une première fois, avoir une entente, y retourner une deuxième fois pour voir si ça fonctionne, une troisième fois pour finalement s'entendre définitivement. Et puis en cours de route, des fois il y a encore des pépins, donc ça peut amener plusieurs déplacements pour une seule consultation. On en fait habituellement 6 ou 7, dépendamment des groupes, dépendamment du temps, dépendamment surtout de la disponibilité de médicaments qu'on a. Ouais. Ici, on a les buts 2, il faut passer sur la très grande majorité de la médication nous est donnée par Collaboration Santé Internationale, qui est basée à Québec, qui est tout près justement du bureau de Spirale. Donc, tout ça, c'est un petit monde, mais tout se tient. On va faire aux adultes, puis le Tylenol aux enfants. Le Tylenol, là, sont ici, sont déjà emballés. Non, sont coupés. T'as eu peur, hein? Ici, c'est un peu la même chose avec les antibiotiques. Ça va encore de l'amoxicilline. Fais attention parce qu'il y a deux dosages, il y a du 250 et il y a du 500. Mais ça, la doute, elle a prescrit. Oui. Mais c'est parce que des fois, les filles se... Il faut juste faire attention. Ça, c'est... On a de la clopsan, les mignons, c'est de la clopsan. On a du contre-amoxicilline qui est du Bactrin. Il y a trois dosages. Bactrin, OK. Du 480 pour les adultes, c'est parce que tu as un comprimé pour les ados, deux comprimés des adultes. Sinon, on a du 120 pour vraiment les enfants. Okay. Puis, on a en plus, en suspension orale pour les bébés. OK. Avec les seringues? Oui, c'est ça. Puis là, on met une marque sur... Oui, sur la quantité qu'il faut donner. Fait que tu as tout écharpé? Oui. Sont là. OK. Il n'en reste pas beaucoup non plus. Puis la doxie, la petite pilule bleue, la tétracycline. Ouais. OK, bon, c'est juste de vraiment checker pour faire attention, parce que des demi, des fois, c'est des dosages qui changent. Mario, Mélissa? Si. Yeah. Si. J'en ai Listo.
l'implication de du médecin accompagnateur, il date de tout début, finalement, du tout premier stade. Docteur Romero, elle est là depuis plusieurs années, elle collabore avec le centre. Elle est très impliquée auprès de la communauté, ce qui est un gros avantage pour nous, parce que quand arrive le moment, exemple, de choisir les lieux où auront lieu des consultations, mais c'est vraiment elle qui va nous alimenter beaucoup avec le centre. La communauté a établi les priorités, les personnes, mais au départ, le choix de la communauté, ça vient d'abord des commentaires, là, finalement, de la doctora qui connaît bien son milieu. Son papa, il est beau, franchement. Tu tournes un petit peu, genre, à pied, ça de même. Tu vois-tu le noir? Un petit peu. Puis alors là, c'est comme, c'est comme un fond de liquide, là, genre. Un petit. Je sais pas comment dire ça. Bon, puis là, je vais y écrire pour faire un test du riz. Ah, excuse-moi. Son rôle pendant la consultation, c'est qu'il évolue très rapidement. La toute première consultation qu'on fait, c'est beaucoup elle qui l'a fait. Je veux dire, la consultation médicale en tant que telle. Les étudiantes sont près d'elle, ils voient comment est-ce qu'elle fonctionne, etc. Mais rapidement, dès la deuxième consultation, elle va impliquer les étudiantes, puis là, elle devient comme en arrière. Et ces étudiantes qui procèdent en tant que telles à bon, l'examen physique, au questionnaire et tout, mais elle arrive en même temps à superviser indirectement comme ça les deux ou trois équipes de stagiaires qui font les consultations. C'est absolument nécessaire que ce soit comme ça parce qu'il y a quand même un aspect légal aussi en tout ça. Le gouvernement nicaraguayen, évidemment, exige qu'il y ait un médecin qui soit présent. C'est normal, étant donné ce qu'on réalise comme travail là-bas. Media tableta diaria. Vamos a hacer un examen de orina. Sí. Va a ir a recoger la orina y lo va a traer aquí. ¿Oye? Un poco de orina en la baño y un poco en el recipiente. Sí. Donc on va commencer par faire un petit test d'urine avec les bandelettes pour savoir s'il y a une infection urinaire ou s'il y a des présences de glucose en sang ou protéines ou du sang même. Et après ça, on va nettoyer sa plaie au pied. Et donc pour nettoyer la plaie, on va procéder du mieux qu'on peut. On va juste la nettoyer avec un petit peu d'eau salin, la sécher bien. Puis on va laisser à l'arrière parce qu'elle va mettre de la crème antibactérienne deux fois par jour sur sa plaie pour une ulcère artérielle. Il y a tout un vocabulaire local aussi, là, de mots qui existent au Nicaragua qu'on ne connaissait pas au départ, donc on apprend avec le temps. Une chistoté, c'est une infection urinaire. Alors, c'est un mot local dans le coin de Nandaimi pour parler d'infection urinaire. Il y en a d'autres comme ça, là, des belles expressions. J'en ai une autre qui me vient en tête. Une expression qui c'est « dar la luz », donc « donner la lumière ». Ça, ça veut dire faire naître un enfant, finalement, accoucher. Alors, dar la luz, c'est ça que ça veut dire. Oui, c'est vrai. Tu sais, c'est vraiment l'enfant. On lui donne la lumière de la vie. Ahí está la comida. ¿Y qué? Alumbrar la luz. Ajá. Por la garganta y tos. ¿Ya la revisaron? ¿Ya la revisaron? Ya. Por ahí, ¿y a diferencia de eso? Sí. Mais non, oui, mais ça. La panipea. Tiene dolor con la cara, la orina. ¿Tienes reglas? Exactamente, ¿no?
tenemos cipro. Non, donc, okay. À l'examen de Rina, sanglier, le cours plus puis protéines plutôt, oreilla, glucose négro. Cada 12 horas. Dos cada 12 horas. Por 7 días. Sí. Vitamina C, 2 diarios, correcto. De 250. 50? 250. 250. 250. Y picada. Entre Doña Margarita, a pesar de que usted se toma su tabletita para la presión, está un poco alta. Sí, pero le vamos a agregar otra. Usted se va a seguir tomando su tableta todos los días en cuanto usted se le va a ver. Para la dolor, bueno. Y es dos tabletas cada 6 horas, pero solamente si hay dolor. Bueno. Es que una o dos, excuse-moi. ¿A te dit una o dos? Ya me dit 4 ans. Me dit 4 ans. ¿A te pas dit combien? A moi, c'est une. ¿Cómo es? Son listas. Un diario hay por 3 meses. Bueno, así es. ¿Así es? ¿Así es? ¿Así es? Si fue, perdón, el enemigo. Atenolol es un otro para disminuir la presión. Sí. No, son dos tabletas. Dos de ella y un cuarto de ella. Es una combinación. ¿Bien? No, un cuarto. La mitad sí, disculpe. La mitad, sí, la mitad. Son cortas. Son listas. La mitad y dos de aquí. Hay por 3 meses de ella, pero son los últimos que tenemos. Hay por un mes. Ultimina, mi vendedor. La ciprofloxacina es un antibiótico, son dos tabletas cada 12 horas. 12 horas más o menos, ¿eh? Antes de dormir y en la mañana. Más o menos 12 horas. Dos a cada 12 horas. Y la vitamina C es una tableta diaria. La vitamina C va a ayudar a eliminar la infección. Es porque. Finalmente, aquí tenemos una crema que se aplica con los dedos. Bueno, después del baño, viene a secar la piel y aplica una capa delgada de ungüento. Una capa delgada es suficiente. Y es dos veces también. Bueno, gracias. Dos veces por día. ¿Tiene pregunta? Alors, la communauté organise, prévoit chaque personne un ticket, un rang, va passer la première, la huitième, la onzième, peu importe, tout est déjà organisé au complet. Et ça va jusqu'au contrôle gouvernemental parce que à chaque fois que la personne est passée par la pharmacie et reçoit de la médication, elle doit retourner à l'enregistrement qu'il y a eu au départ, la table où elle s'est enregistrée, donner ses coordonnées, son nom, etc. Parce qu'elle doit signer comme de quoi elle a reçu de la médication. C'est vraiment un contrôle gouvernemental là, que le centre communautaire fait, mais qui est transmis par la suite au ministère de la Santé, au MINSA. Quand on arrive, habituellement, la communauté en tant que telle, dans chaque village, il y a l'équivalent d'un responsable, d'un maire ou une mairesse qui a prévu avec des gens qui, premièrement, viendraient pour recevoir des soins ou en tout cas, du moins, avoir une consultation. C'est eux qui établissent les priorités.
C'est eux qui déterminent quelle personne va venir aussi. Ça, c'est pour les... C'est pour traiter les champignons. Regarde, angos. Angos? Si. Griseofilina est para traiter las angos y es una tableta diaria. Durante 20 días. Durante 20 días. Es importante de tomar todo el tratamiento. Vitamina C. Oh, no tiene vitamina C. Calcio y ácido fólico. Sí. No tiene vitamina C. Sí. No hay. No hay. A la, la mesa. Marie pour la firme, pour vous. Oui, moi, tu m'as raconté. Eh, adieu, merci. Ouais, adieu. Adieu. Le changement principal que je vois, c'est beaucoup dans ce que moi j'appelle l'espace public, en ce sens qu'en 2004, par exemple, on est arrivé ici, le centre communautaire tournait déjà, avait déjà beaucoup de projets, mais travaillait très fort. Je me rappelle très bien que notre toute première entrevue à la radio communautaire, ça avait porté sur l'importance de recueillir les vidanges, puis de ne pas les jeter à la rue, puis dans les ruisseaux, puis un peu partout. Alors que maintenant, on vient, puis il y a une cueillette des ordures qui se fait, etc. C'est un exemple, mais bon, c'est ça. Ensuite, on a fait à chaque fois, on fait des ateliers différents d'information sur différents thèmes de santé ou en lien avec la santé, comme ça peut être le lavage des mains, le brossage des dents, des choses comme ça. Mais ça a été aussi les bonnes habitudes alimentaires et des trucs comme ça. À chaque fois, on en fait. Le dernier né, ça a été un atelier sur la sexualité auprès des jeunes, des adolescents, les jeunes adultes même, parce que Nicaragua, c'est encore tabou, on n'en parle pas vraiment. On la vit, mais on n'en parle pas. Donc, on a monté vraiment un atelier qui s'adresse aux jeunes. On l'a exécuté une première fois. Ça a été, quant à moi, un franc succès. Je m'attendais à avoir personne et finalement, on a eu 19 jeunes qui sont venus. C'est quand même intéressant. Autant gars que filles, moins de gars, mais quand même. Mais ce qui a été très drôle, c'est que dans le milieu de notre exercice, on leur demandait de faire un travail à partir d'un dessin, simplement d'un cycle menstruel, puis qu'ils comprennent bien comment ça fonctionne, puis c'était quoi la fameuse période où c'était dangereux parce que trop fertile. Puis en leur expliquant que, ben finalement, que faire l'amour, c'est beau, c'est bon, c'est normal, mais qu'il peut avoir en bout de ligne des conséquences, puis si on les veut pas, ben il y a quand même moyen de les éviter, de choisir du moins le moment où ça va arriver. Alors, c'est ça, c'est qu'on a fait participer nos gars, ils ont fait eux aussi l'exercice du calendrier, puis de comprendre comment ça fonctionne un cycle menstruel. Puis là, je le disais après, ben là, quand ta copine te dit « c'est pas le moment », tu comprends pourquoi. Alors, c'est notre dernier atelier qu'on a créé, puis c'était une petite victoire, parce que ça faisait déjà quelques années qu'on essayait de le faire, puis on ne sentait pas nécessairement beaucoup d'ouverture, sujet tabou. Alors, ça s'est réalisé une première fois, on espère répéter bientôt. À chaque fois, il y a une émission, des fois deux à la radio, mais maintenant, ils ne sont plus en direct. Les premières étaient vraiment en direct, avec l'espagnol que ça pouvait donner des fois, là, vous imaginez un peu. Maintenant, l'émission se fait en différé, et puis, absolument, on a les questions à l'avance, fait qu'on a le temps de se préparer pour répondre dans un espagnol qui est un peu plus correct, ou plus complet, du moins. Les gens de la radio communautaire sont très créatifs dans leur sujet. On a rencontré les majordomes de la Terre une fois, voir un peu qu'est-ce qu'ils faisaient. Ils nous ont posé beaucoup de questions aussi sur l'environnement chez nous, comment ça se passait, tout ça. On a aussi rencontré d'autres groupes là, de jeunes, exemple les gens des groupes de danse ou des groupes de théâtre. On peut voir un peu qu'est-ce qu'elles font. Puis on a parlé beaucoup aussi de l'importance de l'estime de soi, comment grandir là-dedans, tout ça. C'est différents thèmes qu'on aborde dans la radio. C'est jamais le même. Finalement, on y va avec ce qu'ils nous demandent, puis absolument, on suit. Pourquoi est-ce qu'un seigneur de 13 ans solamente est-ce qu'on dose sa douche pour que la mitad va sauter? Tiene otros hijos. El total, 5 total. De más, 7. Wow, c'est une grande famille, hein? Je pense que c'est super important de mentionner la contribution très particulière là, de 3 organismes qui nous permettent la réalisation de ce stage-là. Évidemment, ça commence avec Spirale, parce que Spirale, c'est vraiment la porte d'entrée. C'est vraiment le contact à Québec. C'est vraiment... avec ce groupe d'entraide, là, que tout ça s'est mis en branle puis que ça continue.
je ne peux pas passer sous silence la collaboration Santé internationale, donc, qui est un organisme, une ONG, là, qui est basée à Québec, mais qui nous fournit à peu près entièrement maintenant la médication. Pour ce qui est du cégep de Sainte-Foy, essentiellement, le Bureau international paie la grande majorité là, des frais du professeur pendant le séjour là-bas. Et c'est les étudiants qui contribuent dans une partie là, pour la différence là, des frais associés. Une autre consultation. Oui, ça a bien été. Mmh. Environ. On était dans le luxe aujourd'hui. Donc. 2h30 de consultation. Il est 10h35. Le temps qu'on arrive, il était presque 9h15. 2h, 2h30 là, pour environ 30 personnes en tout. Et une autre belle consultation. Dans un dortoir, ça, ouais. Ouais. Moi, j'ai été surprise des endroits où est-ce qu'on allait faire les consultations. Je sais qu'on a été beaucoup préparés à ça. On nous avertit beaucoup, t'sais, plus pauvres ici. Mais la première fois que tu arrives à la consultation, nous, on est allé le premier, c'est dans un dépotoir. C'était. T'arrives là. T'es un petit peu sous le choc. Là, ouais, tu sors vraiment de ta zone. Tu attendais avoir quelque chose de plus pauvre, mais là, c'est comme vraiment un milieu, les maisons. Mais, tu sais, ils ont peu, mais ils s'arrangent tellement avec toutes questions, puis ils s'entraident entre eux, puis c'est vraiment beau à voir ça. Là. Vraiment, tu vois vraiment l'entraide de la communauté entre elles. Les consultations, ça va très bien. Oui, c'est les mêmes choses qui reviennent, tu sais. Ça fait du bien de savoir que tu vas les aider, au moins pour régler cette infection-là. C'est sûr que quand c'est du long terme, par exemple, ça brise un petit peu le cœur parce que tu sais que tu peux pas le donner plus longtemps que ça, ou tu peux pas aller le donner plus loin dans les soins. Notre stage de session terminale, le dernier stage de 24-26 jours de médecine interne qui se réalise habituellement dans les unités de médecine interne dans nos grands hôpitaux de la région de Québec. Mais il y a une partie, en fait, on a pris une entente avec le département et la direction des études, puis indirectement le ministère de l'Éducation. Et donc, il y a une partie d'à peu près le tiers du stage qui est réalisé à Nanaimé, mais qui est reconnu, qui est crédité, donc comme si c'était un stage qui avait été fait entièrement à Québec, même si un tiers est fait au Nicaragua, les deux tiers au Québec restent faits ici. Et on fait notre stage à Québec avant d'aller à Nanaimé pour être certain d'avoir le maximum d'acquis. J'ai dit à la blague un petit peu samedi, il n'y a pas si longtemps, juste avant de partir, parce qu'on fait toujours une dernière activité de financement qui est un souper spaghetti, habituellement, où la famille, les amis, proches, les étudiantes sont présents. Et je leur garantis, c'est un peu le mot de la fin, que je vais leur ramener entière, mais en choc culturel. Donc évidemment, ça rigole un peu avec ça, mais c'est sûr que les étudiantes repartent d'ici avec un regard tout à fait neuf sur leur façon de vivre, leur consommation surtout, je dirais. C'est sûr que c'est des jeunes, elles ont autour de 20 ans, sont très Wi-Fi et autres du genre, donc ça remet beaucoup en question les valeurs et ça apporte beaucoup de questionnements aussi sur le futur de leur carrière, parce que l'avantage qu'on a d'être infirmier, d'être infirmière, c'est de pouvoir travailler partout dans le monde. Et ça, c'est une porte magnifique. Puis je sais que ce type de stage-là, ça les amène justement à aller travailler un peu partout. Beaucoup vont travailler en Suisse, d'autres vont travailler. J'ai une ancienne étudiante qui est en Nouvelle-Zélande actuellement. On garde des contacts aussi, parce qu'évidemment, c'est devenu un petit réseau. Gravite un petit peu autour de Spirale, pas qu'elle participe tant activement dans Spirale, mais en tout cas, certaines participent à la campagne du 30 sous, des choses comme ça. Donc, vraiment un changement au niveau, je pense, des valeurs et de l'importance de comprendre. Oui, on est différent au nord par rapport au sud, mais oui, il y a aussi des choses dans lesquelles on se rejoint, ne serait-ce que l'humanité.